Les couchements perdent jamais que ça, mais c'est drastique là. S'il vous plaît. Oh, mais quelle charmante petite fille. Mais on dirait un petit lapin. Maïlis, s'il vous plaît, venez. Bonjour mademoiselle, vous avez quel âge? 4 ans. Quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et vous êtes déjà passé devant la télévision? Oui. Vous êtes déjà passé à la télévision? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait déjà devant la télévision? Vous avez fait des spectacles, il paraît. Oui. Il paraît que vous avez eu le premier prix international du spectacle de la télévision, c'est vrai ça? Oui. Oh, mais c'est extraordinaire. Écoutez, on vous a invité parce que vraiment on voulait les plus belles actrices du monde qui se présentent devant Antenne 2 et on aimerait que vous nous chantiez une chanson. Vous êtes d'accord? Non. Ah, vous refusez de chanter une chanson? Vous refusez? Vous voulez pas chanter une chanson? Non. Et pourquoi vous voulez pas? Parce que... Ah, vous avez pas envie. Bon, bah alors vous êtes chassé du studio et on veut plus vous voir. Vous pouvez repartir, rejoindre les autres. Au revoir mademoiselle. Voilà, il m'oublie toujours, comme à chaque fois. J'en ai marre. Putain, maintenant, il va falloir que je rentre à pied encore en courant. Ça y est, avec les copains, on est arrivé. On est arrivé. Et puis maintenant, on va aller. Je suis content parce que maintenant, on va aller se bourrer la gueule. Hein? T'es content? Il est vachement content. Allez, Venez avec moi. Venez avec moi. Et Claudia, elle est où, dit? Et on est passé de budget, quoi. J'ai tarconné. C'est bon. Mangez-en. Et en plus, il nous pique une crise d'asthme, quoi. C'est carrément la liberté là-bas. On a l'air con. Didier. Sans commentaire. Allez voir mon cul, connard. Tiens, regarde. Nous sommes à Buchy et condamnés à rester aux arrêts de rigueur à la maison, mais n'en a pas moins cessé de travailler. Effectivement. Un chevalier des temps modernes, une table avec un pot de fleurs, oui. Un homme catcheur qui soulève son bâton avec des poids. L'avion de Batman, un homme normal, un gabonais. Bonjour petite fille, comme tu es mignonne. Où vas-tu toute seule dans cette forêt? Je vais voir ma mère grande qui est malade. Et où habite-t-elle ta mère grande? Là-bas, de l'autre côté de la forêt. Moi aussi, je veux y aller. Prends ce chemin. Moi, je prendrai celui-là, et nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. Dans la rubrique « On a l'air con », Délie se rase. Non. Rubrique « On a l'air con », Davy emmène Didier dans un lieu public. Et la chevillette serra. Oh, grand
grand-mère, comme tu as un grand nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ça fait 50 ans que je te traque. Ta femme, j'ai pris du plaisir à l'égorger. C'en est trop, on l'a refait. C'en est trop, je sens que ma lame va aimer tout le sang. Allô ? Allô ? Pardon. Ça va ? Je pourrais parler à monsieur, le personnage de mes hommes qui est infiltré chez les gentils ? C'est lui-même. Allô ? C'est Discord. Comment vas-tu ? Ça va. C'est cool. Bon, je te laisse. Si tu veux me joindre, tu connais le numéro de mon portable ? D'accord. Ok. Allez, salut. Salut. Au nom de la lumière noire, je m'en vais. C'est Eric de Musclé, Alda Hilsdorelka. On a une grosse gonzesse und Polotan en Allah Allah. Oh, c'est trop chaud. Oh, c'est trop froid. Ah, c'est bien. Allô, c'est Discord. Salut Discord. Ça va bien ? Alors, ouais, depuis la dernière fois, ça va. Quoi de neuf ? Rien, rien. Que du vieux ? Sur le podium avec la Marseillaise qui sonne dans sa main. Ah, pas mal.